Bon, j'ai en tout cas. Je vais la faire. J'enregistre. Voilà, c'est parti. Épisode, je sais plus combien, 26, il me semble, 27. Je veux quoi. Des brouettes. Ouais. Ça, 20x. Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire. La cloche. Pour le résumé, nous avons terminé notre voyage, j'allais dire Servidas, mais au royaume des Servidés. Servidas ? Oui. Où nous avons presque enfin pu rencontrer le roi. Presque enfin pu ? Vous l'avez rencontré ? Oui, oui, mais en arrivant, il s'était barré dans la forêt. On a dû aller le chercher. On s'est fait, enfin, la majorité du groupe s'est fait, enfin, on s'est fait séparer. Il y en a certains qui ont eu des rêves chelous. Et pendant ce temps, Skoula et Fizzel ont rencontré l'entité qui gère la forêt, qui se trouve être Sorn. Un esprit du chaos qui vient d'une autre dimension et qui était là, qui arrivait en même temps que le bibliothécaire, mais qui est là juste, qui veut juste faire son petit jardin de son côté. Le roi nous a raccompagnés après que on lui ait donné la lettre et il nous a dit qu'il allait avoir une guerre contre les griffons. Et c'était une demande de la princesse qui voulait de l'aide. La princesse Radiante Rose qui voulait de l'aide pour chasser les griffons. Sur le retour, on a ramené notre ami Serre, qui est aussi fervent de la Luz de la Muerte. Et lui donne. Et pour l'amener justement à la Cité del Sol, parce que ça allait bientôt aussi être l'anniversaire de ce coup-là. Nous avons fait le voyage sans de retour, sans encombre. Et une fois arrivé à la capitale... Ah, aussi, sur le voyage, on a retrouvé Bright Hall. On lui a redonné le livre. Quelques petites explications plus tard. Elle nous a accompagnés et on l'a laissé à la guilde de Stalingrad, là où on a trouvé, on a retrouvé la sœur de Skoula, qui nous a averti que quelqu'un utilisait des ombres pour attaquer et qui a attaqué la cité del Sol. Et donc nous avons préparé nos affaires en vitesse. En rapidité, en vitesse, et nous sommes partis pour la Cité del Sol. Et on est sur la route. C'est ça. Sur la route. Silver est un peu inquiet d'avoir beaucoup de gens pires que Skoula et Rose à Cité del Sol. Non mais c'est ça le truc qui te préoccupe, toi. Il y a une grognasse qui fait pop des ombres et tout ce qui te préoccupe, c'est que des gens parlent fort. Oui. On va forcément leur péter la gueule, les ombres et le mec qui les fait pop. Donc, effectivement, le truc qui inquiète le plus Silver, ce sera ça. Le reste, il va juste. Alors, j'aime bien parce que c'est de la positivité. On est là. Oui, c'est sûr. c'est de la super confiance. On va leur péter la gueule. Ça c'est sûr et certain, on va leur péter la gueule. S'il faut, on va arriver, on va se faire latter la figure. Mais non. Mais non. Mais bien sûr qu'on va se faire latter les couilles, on est quatre contre toutes les ombres du monde, vous avez cru quoi? Ma famille se va pas. Alors, je vous avais calculé à peu près 4 jours de voyage. Ils peuvent utiliser de la lumière. Ça sert à rien. Mais ils sont pas non plus tous licornes. On le sait parler, mes jeux. Je vous avais calculé 4 jours de voyage, à peu près 2 jours pour aller à Farmarène, 2 jours pour aller à la Cité del Sol. Non mais on trotte. Oh oui, non mais trotter, quand bien même. Donc, que se passera-t-il en chemin? Premier jour, tout est good. Il se mettra à pleuvoir pour la deuxième journée. Et vous arriverez sans trop de soucis. Jusque là pour le moment à Farmarène.
J'irai checker à Farmarène une certaine maison. Voir si il y a de la vie à l'intérieur. Ah. Pourquoi ? Parce que oui, il fallait que j'y envoie une lettre et que j'ai envie de voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et tu vas pas nous dire ce que tu fous. Fizzle vous expliquera que ben, c'est à cette adresse-là qu'elle aurait dû envoyer, qu'elle a dû envoyer sa réponse à l'autre, à Purple. Quelle réponse ? En gros, il m'a demandé si je voulais l'aider pour son projet à Purple Sunset. L'autre connard ! Et forcément, je lui ai dit non. Mais il a voulu que je l'envoie ma réponse par lettre. Et je veux vérifier si cette maison-là est toujours habitée. Enfin, s'il y a de la vie à l'intérieur. Il m'a dit qu'il y serait pas, mais je veux quand même vérifier. Pour le coup, il n'y est vraiment pas non plus. D'accord. Et du coup, est-ce que ce serait pas mal qu'on prenne... Enfin, qu'on se procure pas, je sais pas, des trucs de soins, des bandages, des potions, j'en sais rien. C'est Silver qui parle. Hein. Ah oui, oui. Il n'y a pas un alchimiste par là qui peut nous vendre des... Ou même quelqu'un qui peut nous vendre des... Des potions, des onguents, n'importe quoi. Ouais. Il y a un herboriste dans le coin qui pourra effectivement donner quelques petits... Quelques petits trucs. Ouais, que, faut pas oublier que l'alchimie, c'est pas un truc qui était uniquement destiné, enfin utilisé par Zima. Hein. Ouais. Mais l'alchimie, je la reverrai à l'avenir. Par contre, Silver, il va quand même essayer de se renseigner aussi pour les ponies disparues et savoir si jamais les gens de Farmarène ont vu. La tarée de la cité d'El Sol passait par là. En la décrivant, savoir si elle est déjà passée par chez eux ou pas. Alors. S'ils ont des nouvelles venant de la cité d'El Sol. Exactement aussi. Je peux très bien faire un petit jet de réseautage, donc persuasion ou intimidation pour chercher. Bon, ça sera plus la persuasion, je suppose. Ah, mais pour nous ! Ouais, persuasion. Silver, dis-toi les gens de mes deux hauts. Bon, alors tu vas tout me dire. Oui, monsieur. S'il te plaît. Qui c'est qui fait les jets ? On fait un jet chacun de notre côté ou on cède ? Ben, moi je pense que ce serait plus aider quelqu'un parce que le jet de persuasion il est à D4 donc. Je peux faire le jet, hein, sinon en plus je peux relancer gratos donc vous pouvez m'aider. Ok, bah, dans ce cas-là on va t'aider. On va t'aider. Et confiance, Kula, tout va bien se passer. Oh ! Le joli plus 2 de Silver, le joli plus 1 de Fizzle, le joli plus 1 de Wood, donc non. Tu as plus 4. Non, plus 1 de Silver. Ah oui, vraiment, j'ai plus un 8. Donc plus non, 3. J'ai 5. Il fallait rien dire et tricher, enfin. Écoute. C'était un plus 3, du coup, donc ok. 10. C'est beau. Déjà mis le plus 3. Donc tu demanderas ça. Enfin, tu. Tiens, bah, ça sera. Tout le monde. Tout le monde, ça sera. Tout le monde se lève ce soir. Là. L'entrée est. Si quelqu'un a vu une grognasse violette qui se prend pour la fille de son bras. Je vous mets directement dedans. Donc, c'était un ou une tavernière ? C'est un tavernier. C'était un, il est trop beau d'ailleurs. Ça en jouait, si je me souviens bien, c'était un. Et elle est là depuis 29 sessions. C'est ça. Je quoi suis là. Elle revient de temps en temps. C'est qui elle ? Elle habite là, enfin elle habite dans le coin. C'est un PNJ que j'ai vu au début de ma session. Ah bon ? Ouais. Ah ben, on a effectivement vu une jeune qui correspond à ces critères. Et qu'est-ce qu'elle disait ?
Elle disait pas grand chose à vrai dire, elle avait l'air un peu seule dans son coin et un peu énervée à vrai dire. Elle a attaqué la cité del Sol. Quelqu'un veut venir avec nous pour nous aider à s'en débarrasser? On a des témoins comme quoi c'est pas juste des affabulations. On payera. Oui. Parce qu'il y a que ça qui marche. D'ailleurs, elle semblait... Moi, j'ai piscine. D'ailleurs, pourquoi elle semblait énervée? Est-ce qu'elle a laissé... On n'en sait rien. Oh, elle a rien laissé passer? Non. Et personne ne répond à ce coup-là. Bah, oh, bah, on est pas aventurier et avec ce qu'on a vu de la cité del Sol, enfin, on a cru voir que c'était entouré par un nuage sombre, on n'a pas trop envie de s'y risquer. Et Silver, il voit Onyx entrer, il dit « Salut Onyx !» Ça va ? Et alors, il n'y a pas des aventuriers ici ? D'ailleurs, vous n'êtes pas foutu de mettre des panneaux pour indiquer la cité del Sol ? Ce coup-là, j'estime qu'elle le voit pas, hein, qu'elle est de dos en train de leur faire le... Ce coup-là, c'est Silver... Tais-toi, il parle. Quoi? Okay. Oh, salut Onyx. J'essayais de te prévenir. C'est Silver, il fait... Bon, oh, bah ok, je me tais, hein. Silver, il dit salut Onyx pour essayer d'attirer l'attention des autres. Ça marche pas. Ce coup-là, derrière toi. Tais-toi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Hein. Ok, ok. Bah, Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'étais de passage à Farmarène. On m'avait demandé avec. On m'avait demandé du coup. On nous avait envoyé justement pour essayer d'enquêter sur ce nuage sombre. Oh, câlin. Oui. Et là, il bégait en mode... Non, il était... Ah, bon, bah, il rend le câlin, juste. Eh ben, c'est une grognasse qui attaquait la cité del Sol avec ses ombres de merde. Ah, je vois. Donc, on va aller lui mettre une déculottée, enfin, du moins essayer, et il cherche des gens pour venir avec nous, parce qu'il ne sait pas combien il va me falloir. On n'est pas sûr de réussir. Il faut mettre, toutes les choses. Je veux bien venir aider. Qu'est-ce que t'as dit, Lucky? C'était. J'ai dit, il faut mettre toutes les chances de notre côté parce qu'on n'est pas sûr de, on n'est pas forcément sûr de réussir. Silver, il va regarder Onyx, il va dire, c'est pas du tout parce que c'est la cité del Sol d'où vient ce coup-là, hein, que vous venez aider. Hein. Mais aventurier à la base, aider les citoyens en mais danger, c'est notre boulot. Mais t'es pas venu avec ton équipe, elle est où la charmante Agathe? Elle est en ville pour essayer de chercher des informations. Ah, super. Mmh. Et vous êtes, juste vous deux? Il y a pas à la base, c'était juste un repérage. D'accord. Elle le lâche. C'est mieux que rien. Elle va choper Rose, l'attirer, et le foutre dans ses pattes en mode hey, « Regarde, il te présente ma sœur Rose !» Voilà. Bonjour. Oh mon dieu, deux pour le prix d'une. Moi j'imagine la Rose qui arrive et qui fait hola. Hola. Moi je l'imagine juste tirer en mode objet marionnette et puis hola. Non mais c'est exactement ce que j'ai vu dans ma tête. Alors c'est toi le Onyx? Ouais. Ok. Bon. Silver s'assoit et il regarde. Moi et personne veut nous aider. On n'est pas des aventuriers, nous. Oui, bah il y en a bien dans votre pays, là, des aventuriers. Non, on paye les gens de Wimborne quand on a des soucis. Oh, vous savez. Là, calme-toi. Tout le monde n'est pas. Tout le monde n'est pas. Ouais, bah moi non plus, je ne suis pas une aventurière. Hein. Pourtant, il y va quand même. À la base. Oui. Et Louis, tu crois que c'est un aventurier, il a 72 ans! Bientôt, bah, mais quand même, je pensais que ça comptait maintenant. Mais je suis essayé de le convaincre. Ah oui, non, je suis un papy. Tout le monde peut être aventurier, sauf fait d'y aller, hein. Oui, non, mais... Tout le monde n'est pas habitué à se battre. Regard noir, genre, tais-toi! Mais en silence. Silver va hausser les épaules. Double regard noir.
Silver, il va... Silver, il va juste hausser les épaules et s'asseoir en mode, bon, bah, d'accord, hein, je me tais. Voilà, ça, c'est bien. Pardon. Mais t'as un pas de patte des Ludones. Silver, regardez, c'est un aventurier, lui, là, avec son masque bizarre. Skoula, oh. Skoula et Rose, les dresseuses de Silver. Non, mais Silver, lui, il est juste... Silver, lui, c'est bon, il est juste résigné, hein. Il sait qu'il gagnera pas. Il en faut bien deux pour le mater. Bah, vu sa taille... Il y a juste Rose qui va s'approcher de Onyx. Et du coup, j'ai cru comprendre que tu venais de Wimborne. Ouais. Oh putain, non. Je sais ce qu'il va faire. Tu passeras le bonjour à Thunder. Thunder Will. Ouais. De la part de Rose. De la part de Skull Rose. Et de Feather. Quel trop de con. Non mais ça sert à rien, on ira avec toi la prochaine fois. Bon. D'accord. Du coup, il faut là, c'est une halte, on est d'accord, Ren ou Oui, c'est une halte pour le soir. Ok. Bon, on devrait se reposer parce que demain on a beaucoup à faire. Zelle, elle ira demander des chambres et un repas. Elle ira quand même demander au tavernier s'il a des nouvelles du monsieur qui accompagnait Gabriel. Oui, bah, il se remet doucement de la perte de son camarade. Commence à se faire une raison. Je suis encore désolé. C'est pas de votre faute. Bah, oui, mais bon. Gabriel, non. Pas de patte de la part de Fizel. Bah, t'as le droit à un câlin. Félicitations. Non, bah, te rends le câlin. Ah là là. Avec un peu de chance, il y aura peut-être des aventuriers qui vont passer le temps qu'on est ici. Bah, y a déjà Onyx et l'autre Agathe. Oui. L'autre Kronias. Mais enfin, à ce coup-là. Quoi, y a rien dit? C'est quoi que j'ai entendu alors? Je suis pas encore sourd. Bah, je sais pas, t'entends peut-être des voix. Ouais. Est-ce que tu me prends pour un idiot? Tiens, regardez, quand on parle du loup. Quand on parle de la grognasse. Alors Silver, toi qui as vu comment elle est rentrée, elle a regardé un peu autour, elle a vu ce coup-là, elle s'est assise dans son froid. Et Silver, il va rien dire, hein, c'est genre, il attire même pas l'attention dessus. De toute façon, là, il est résigné. Il est adossé à la table, il attend que Skoula et compagnie... Non, il bouge. Quoi qu'il en soit, si tu regardes un petit peu, ça discute, ça souffle. Agathe qui souffle, genre, pff, t'es sérieux de vouloir l'aider? Bon, ok, d'accord, mais. Oh, on va pouvoir bosser avec elle. Hey, il y avait tant de coulées là, Agathe. Pardon, excusez-moi. Ah, enfin. Désolé. Calme-toi. Bon, au public. Ah, on a dit qu'on gardait ça pour nous. Ça se dispute, mais quoi. Ça se dispute, ouais. Et en soi, bah, vous mangerez convenablement, vous dormirez convenablement. Et on croise genre personne d'autre. Non, bah, c'est quand même assez calme à la base pharmarène. Ouais, et du coup, je dirais quand même d'aller mettre des panneaux, parce que bon... Le courrier qu'on reçoit pas pendant 5 ans, ça va, quoi. On avisera pour ça, mais c'est bien beau de mettre des panneaux, il faut aussi qu'on en informe la poste. Mais ça fait un moment quand même que la poste devrait être... Bon, enfin, moi, c'est pas compliqué de suivre un chemin, hein. C'est pas comme si il y avait rien. Quand tout sera arrivé, on essaiera de gérer ça de notre côté. Genre, le courrier qui arrive ici, on l'enverra pour la cité d'El Sol. On se débrouillera. Oui, enfin, pour l'instant, on a mieux pour... on a d'autres préoccupations. Ouais, bah désolé, j'essaye de me détendre. On dirait pas ça. Je comprends bien ce coup-là, mais... Et pourquoi, genre, tu vas à l'autre table et pas...
Parce que tu pues. Pardon. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Oula. Elle s'approche juste pour dire bonjour. Hein. Oh là. Silver va se retourner vers Eludon et commencer à discuter pour ne pas avoir à regarder la confrontation qui va se passer. Mais sinon, c'est dur, ça, les bois, ça se passe comment? C'est vrai qu'ils tombent. Sinon, de la peinture ou de la teinture que tu utilises? Et sinon, niveau capacité, tout ça, vous savez faire quoi? J'ai perdu mes mots, merci. Pardon. Nous sommes doués. Zut, j'ai perdu le mot que je voulais utiliser. Parce que c'était pas illuminé. T'as regardé dans le placard? Non. C'était pas les salutations, par hasard? Désolé, on est mauvais pour chercher. Je voulais faire preuve voilà, de courtoisie en vous saluant, vu qu'apparemment on va travailler. Donc, on va devoir se serrer les coudes pour régler le problème de la cité d'El Sol. Mmh. Et je comptais juste faire preuve de courtoisie et vous saluer, c'est tout. Bah, c'est fait. Ce coup-là, sois gentil. Mais je suis gentil, elle insulte pas. Sois courtoise. Mais je suis courtoise, elle insulte pas. Elle accepte de nous aider. Oui, ouais. Ben, il lui répond, c'est gentil ça déjà. Fais un effort, c'est bien. En attendant, c'est pas moi qui l'ai insulté en première. Hein. Désolé de vous avoir opportuné lors de notre dernière rencontre. Mais il a fini. C'est Chacha, ça. Qui miaulant beaucoup. Donc, son chat, numéro 1. Ouais, elle s'excuse. Ouais, c'est Chacha. Elle casse couilles, celle-là aussi. Va chercher la balle. Pardon, du coup. Donc voilà, elle s'est excusée lors de leur dernière rencontre. D'avoir importuné ce coup-là. Elle t'a importuné? Non, elle a juste dit qu'il était en illuminé. Quoi? On l'a entendu chez Loupi. Hein. On l'a entendu chez Loupi, pas chez Ren. Et Silver va s'approcher en mode « Ah papa, on se calme, tout va bien !» Ouais, aucun problème. Non, mais c'est rien, t'inquiète pas, c'est excusé. Calmez-vous. C'est pas ma sœur. C'est excusé. Calmez-vous. C'est excusé. C'était... Non, mais c'est pas moi qui l'a insulté, c'est la loose de la muerte. C'est l'autre qui a rajouté. Alors, non. Silver, il va dire à Agathe, vous feriez bien de reculer. Laissez-la moi, et retiens-moi. Laissez-moi, Là, c'est Silver, il appuie juste le sabot sur le front en mode non, mais c'est bon. Voilà, tu n'avances. C'est bon, calmez-vous, tout va bien. Laisse-le moi. D'accord. Et retiens-moi. D'accord, laisse-le moi. D'accord. Je crois qu'il y a un truc que t'as pas bien compris. Et Silver, il s'interpose quand même en mode, c'est bon, elle va nous aider pour libérer votre ville. Calmez-vous. Mais on est calme. Salut. Mais je te parle pas à toi, ce coup-là. Ah, mais elle est calme aussi. Elle se calme un petit peu et puis elle fait le geste des yeux, genre je te regarde, je te surveille. Voilà. On a fait un effort, c'est bien. Maintenant, on peut... travailler dans la joie et la bonne humeur. Ouais. N'est-ce pas ? J'ai un petit doute quand même. Le pépé qui se met aussi à gueuler. On va travailler. Tu te tais, Silver. On va travailler côte à côte pour régler ce souci. Sabot dans les sabots, parce que main dans la main, c'est un truc de Minotaur. On va travailler ensemble pour régler le souci qu'il y a actuellement. Non, mais c'est bon, calmez-vous, hein. Mais je suis calme. On va travailler ensemble, vous en faites pas. Mmh. Bon, va t'asseoir, Rost, on me donne le tournis. On est tendu. D'accord. Du coup, j'aurais
Je sais pas si on aura déjà mangé ou si le repas sort bientôt prêt. Je vais vous passer tout ça. Vous passez cette scène, vous copiez. Et... Moi non plus. Ah, je suis curieux de voir la nouvelle map de la... Un cratère. C'est mon anniversaire. Ouais. Bon anniversaire, tu arrives à la cité d'Elsa. Pourquoi tu me fais un striptease le vieux là? Mais non, je fais le pom-pom girl en tournant autour. Pom-pom vieux. Pom vieux, merci hein. Bon bah je le bout, t'auras pas ton cadeau. Il lui aurait vraiment fait un cadeau, mais du coup il boulait. Mais non, mais en vrai, elle est tellement jubilée par les siens et tout que je ne souviens même pas que c'est son anniversaire. Donc. Cette musique déjà. Je viens d'imaginer Wood faire des maracas autour de moi. Exactement. Allez, on laisse Ren parler. Pardon, je me dis deux secondes. Vous faites deux autres jours de voyage jusqu'à la cité d'El Sol. Hop. On a récupéré des potions, des trucs comme ça. Hein. Potions, non, mais de quoi au moins soigner. De quoi au moins soigner, quoi. Penser les blessures. Est-ce que le briquet a été inventé? Alors, c'est plus un briquet à silex, ouais. Et de quoi faire des étincelles, quoi, c'est tout. Vous arrivez proche de la cité d'El Sol, plus vous approchez, plus il y fait sombre, les nuages noirs couvrent le ciel, il y a pas mal de pluie qui commence à y tomber également, l'air se rafraîchit drôlement également, mais sans pour autant qu'il en neige ou que ça tombe dans des températures négatives, et vous voyez effectivement au loin comme une sorte de grosse tornade, enfin, comme une tornade, c'est plus une sorte de brume, une brume noire très 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 épaisse, qui a l'air d'englober effectivement ce qui semblerait être la cité d'El Sol, que vous ne pouvez pas apercevoir d'ici. Du coup. Les vents commencent à se faire assez fort. Bah moi j'y vais. Avant toute chose, ce serait bien qu'on se corde les uns les autres. Pour pas se perdre. Ouais. Oh, ce chat. Bonne idée. Ok. Donc on se... Vous vous attachez ou vous tenez juste On s'attache. S'attache. On s'attache. Et on s'empoisonne. Et Silver va prendre le... Va prendre autour la tête. Du coup, pour pas se perdre. Silver, il va prendre la tête pour... Alors, Silver devant. Qui derrière Silver? Koula. Ensuite. Koula, Silver, il se met devant exprès. Non, mais derrière toi, je dis. En plus, comme ça, je peux t'éclairer. Oui. Fizzle en troisième. Et il y aura Rose qui sera juste avant toi, Fizzle. Ok, donc Fizzle en quatrième. Étant donné que j'ai mes sorts... Après, enfin, je dirais Wood, Onyx et Agathe, ou Agathe et Onyx. Ça m'a l'air pas mal aussi. Ouais. Et il lui donne. Il lui donne derrière Wood. J'allais dire, j'ai oublié quelque chose. Dernier, protégez-le. Bon, en soi, si on peut marcher côte à côte, on marchera côte à côte. Hein. Ouais. C'est juste, c'est l'ordre dans lequel on s'est encordé. Bon bah les gars, je vous aimais bien. C'est bon. Bien. La traversée se fait assez difficile quand même. Mais sans trop de problèmes. Toi tu actives ta magie? Bah je te laisserai l'activer ta lumière. Oui. Enfin, fais toujours ton sort, toujours, et puis il durera après. Je vais te mettre ta petite lumière sur la prochaine map. Mmh. Silver, il essaie de garder un œil pour tout ce qu'il y a, tout ce qui pourrait arriver dans les alentours. Pareil. Tu la fais pas mobile ta lumière.
Non, j'avais sur moi. J'ouvre l'œil et le bon. Ok. Il essaye en tout cas. Donc, en soi, les vents se font de plus en plus calmes, c'est juste que vous n'y voyez rien, même avec la lumière, malheureusement, vous voyez pas plus loin que le bout de votre museau. Et au bout d'un moment, la brume se désépaissit petit à petit. Et vous arrivez directement à la cité d'El Sol. Quelle horreur. Alors, tous ceux qui sont en dessous, là, c'est... ça sera pour le, oui, le marquage. Au secours. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Il y a une dark qui coule au mieux. Bougez pas là, parce que à peine sorti, vous vous êtes déjà repéré par les... par cela. Je vous demanderai juste un petit jet de perception. On pourra même pas essayer de lui parler à la grognasse. Silver. Ils ont l'air directement agressifs. Ils font toute la place sur le pont, donc il va falloir qu'ils se lèvent. Pour venir. Ils vont passer l'eau. Alors. Ah bon, donc. Je ne perçois pas. Juste avant. Si vous êtes d'accord, on se serait désencordé une fois la tempête passée. Oui, je vous, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde. Arrivé devant le village. Parce que là. Donc, ceux qui ont réussi, vous pouvez apercevoir que, pas tous, mais certaines des ombres, en tout cas forme poney, ont quelques restes de masques de la Muerte. Il m'aurait mieux fait de ne pas le savoir. C'est à partir de combien qu'on le sait, si ça, qu'on le voit ? 4. Bon, ben je le vois pas. Et c'est des restes, c'est pas forcément hyper visible. Regarde sa tête de Darky Koo là, va écrire des fanfics, meuf. Je l'ai dit que c'était Darky Koo, oui. Elle est où, Darky Koo? Elle est là, dans le puits. Sur le puits. Là où elle mérite d'être, au fond du trou. Au fond du puits. Qu'est-ce qu'il y a là, si il y a quelqu'un au fond du puits? Ah là là. Qu'est-ce donc. Que c'est, des... c'est les Pégases, ceux-là? Ouais. Okay, ça, c'est les terrestres? Ceux-là, c'est les terrestres, ouais. Ok. Et ça, c'est quoi? Là, au secours. Comme un loup. Chien. Ah, putain. Et ça, c'est les licornes. On va crever. Oh là là, il y en a là-haut aussi. Ça va aller? Non, ça va pas aller. Mais si, sortez non, la Gatling, non. Mettez-vous derrière moi. Non, non, mais moi, la loose de la Muerte me protège, je fonce, elles vont pas me toucher. Je propose, oui, de foncer et d'aller défoncer instantanément. Les chiens, Wemjo. D'ailleurs, truc que j'ai oublié de préciser, la nana au-dessus, là, vous voyez qu'elle est sur un puits, en fait, elle est en survol au-dessus. Ok. Elle vole. Elle survole légèrement, ouais. Elle a des ailes? Non, elle a pas d'ailes. D'accord, donc elle est juste... Elle est comme en lévitation. Ok. Ok. Faut que j'ouvre les maintenant. Est-ce qu'elle nous a vus? Visiblement, oui. Quand les Pégases vous ont vus, c'est comme si elle vous avait vus également, et elle tourne la tête apparemment vers vous, de ce que vous arrivez à voir. Y a pas moyen de négocier, c'est chiant. On peut pas parler, quoi. La chance qu'on peut essayer de parler, mais elle a sûrement dit « Attaquez, à vue !» Là, je pense que c'est ça qui s'est passé. Et bien sûr, ils ont un jeu. Ouais. Alors, franchement, moi, je dirais... Bah, elle joue dans... à toute fin. Je sais pas si c'est mieux ou pire. Si c'est mieux ou pire. Moi, j'hésite à claquer un béni pour avoir une meilleure carte, quand même. Bah vas-y avant que le tour ne commence. Non non, les autres ils ont des as, donc dans les meilleurs des cas je serai pas en premier de nulle part, ça risque même d'être pire, donc restez là comme ça. Alors j'ai 10 000 fiches à ouvrir, c'est génial. Avec Silver qui est en plein milieu du pont, comme ça à part les Pégases, ils vont tous être obligés de passer par le pont. Ah, ah c'est quoi leur allure cela? Beaucoup trop. Beaucoup trop noken.
Isol, tu es morte. C'est nul. Quoi? Pourquoi? Non, c'est parce qu'il a fait une blague. Ah, il a fait une blague par rapport. Mais moi, je l'écoute plus, hein. Au nom japonais de Ken le survivant. Ouais. Voilà. Alors, ça a beau avoir des jokers, ça vous atteindra pas. Bah, je sais pas, je vais pas me plaindre. Ouf. Ah, oh, je viens de remarquer le piou sur ce coup-là. Ça ne bouge pas. De quoi? De lumière. La petite boule de lumière. Je la vois pas, moi. Ah, ah oui, attends, je te l'ai en tout. Sur le bout de la corne. Le pouvoir du Christ te... Repends. Repends-toi. On va faire repends-toi. Tu vas pas passer sur le parapet, quand même. Moi, je vais me gêner. Mais Silver, il est devant, il est là pour tanker, justement. Bah, ouais, elle Silver, va se gêner. Silver, il empêche surtout d'agir, en fait, donc il va se pousser. Ah, hop. Ok. Laisse-nous aller nous suicider comme il le faut. Quoique, non, eux, ils vont pas bouger pour l'instant. Ce coup-là. Alors. Je monte sur le machin, le muret. Ok, monter, ça te prendra. Oh, puis la flemme. Fais ton mouvement normal. Mais normalement, ça te prend un petit peu de ton mouvement. Mais je sais plus combien, alors fais le juste. Non, mais je veux juste monter dessus, je veux pas. Ah, d'accord, juste monter dessus. Je la vois, on est d'accord. Alors, attends, que j'essaie de voir, parce que même si elle est en survol, elle vole pas très haut, tu pourrais apercevoir un truc. Très bien, donc. Mais à cette distance, si tu veux parler, ça risque d'être compliqué. Non, je vais pas parler, ça sert à rien, puisque je vois bien que les ombres commencent à attaquer. Donc je vais claquer la carte coup gagnant. Oula. Comme ça, je suis sûr. Faire une prouesse. Voilà. Et le penchant amoureux sur le boss. Non, mais c'est pour toi le penchant amoureux, on a dit. J'ai pas... Ah oui, coup gagnant. Merde. Ah. Et c'est pour quel? Eh bien... faire mon sort de sommeil sur cette salle de chouin. Oh! Oui! À la distance? Donc c'est, la distance est 16 mètres, donc je mets un pp de plus pour doubler. Anne, il est en sueur. Il va chercher une pirouette. Yeah. Et elle tombe dans le puits, elle se noie. Alors, elle va se réveiller. C'est pas un jet opposé, hein. Tiens, tu le préciser. Il me semble, sommeil. Ah bon? Non, c'est pas opposé, c'est... Attends, je relis. Je vois dessus. Résiste avec un jet d'âme. Moins 2 en cas de prouesse sur le jet d'activation. Donc elle aura juste un jet d'âme à moins 2 et devra faire 4 pour ne pas tomber dedans. Donc la carte... Est-ce que tu es... La carte, ça hein? Rien du coup. Bah si, parce que elle peut quand même... Même si elle tombe dans le puits, elle peut... Non mais on s'en fout du puits, c'est pas la question. Moi je veux savoir si elle s'endort. Bah, faut que je fasse le jet, donc je vais plutôt te poser la question, es-tu sûr de vouloir faire cela? Bah, du coup, la carte sert à rien. Bah, si, t'as pas besoin de faire le jet. C'est tout. T'as pas besoin de faire le jet, et surtout, ça lui met un moins 2 sur son jet à elle pour résister. Bah, de toute façon... Ce que tu peux tenter de faire aussi, c'est d'y mettre un modificateur de fatigue, pour qu'elle ait un point de fatigue si elle se prend le sort. Ça te coûte 2 PP en plus, par contre. Je vais faire ça alors. Ouais, je garde la carte. Ok, tu... Attends. Tu peux la retrouver normalement dans la défausse. Non, je garde la carte. Je la laisse jouer. Ah, d'accord. Pardon. Bah écoute, ok. Alors, où est sa fiche? Elle est là. Oh, et dans le pire des cas, on a toujours une carte pour regagner tous les PP de... Tous les PP. C'est ça. Donc, elle s'endort, se casse la gueule, dégâts de chute. Et elle s'empale sur un rocher par terre. Non, bon, je te cache pas que par contre, les dégâts de chute vont la réveiller, mais au moins, elle aura eu des dégâts. Mais quoi? Et elle aura 48 points de chute, elle meurt instantanément. Ça sert à rien. Okay. Mais... Elle a pris des dégâts. Bah, elle a pris... Bon, elle a pris des dégâts, mais elle a surtout un point de fatigue maintenant, grâce à toi. Ça veut dire que ça va être difficile pour elle de... Ça va être plus compliqué pour elle de faire quelque chose.
Attends, tu as essayé de me copier, Lupi. Tu es à côté d'elle ? Ouais, j'ai essayé de te copier. Tu te souviens pas quand on jouait End of Equestria, j'ai fait sommeil sur un boss qui s'est noyé dans la lave. Non, je me rappelle pas. Ah oui. Je me rappelle déjà pas de ce que j'ai fait hier, alors un JDR qui C'est les seuls trucs que je me rappelle, c'est les trucs inutiles. Écoute. Je fais ce que je peux avec mon perso, ok ? Non mais c'était mal, hein. C'était une très belle action. Tu m'as tellement mis en sueur pour le coup. Ouais, bah, alors, qu'est-ce qu'il sait faire, le Onyx ? Il a fait des dégâts psychiques IRL, arrête ! J'ai faim. Ouais. Il va se mettre là et faire un éclair sur l'ombre ici. Attends, qu'est-ce que c'est que ces petits machins là ? Je me posais la question. On dirait des écureuils. Des oiseaux. Des lézards. Des corbeaux. Ma petite sœur. Des coques. Des coques de combat. Et c'est juste des ombres. Des ombres volantes. Des petites boules d'ombre. Leur résistance, c'est ça. Et bon, écoute, GG Onyx, ça fait spouf une de moins. Est-ce que le corps se dissout ? Oui. Est-ce qu'il reste quelque chose après ? Pas grand-chose, une grosse flaque noire. Alors, c'est au tour de celle-ci. Alors, il y en a qu'une qui sera apportée pour... Techniquement, c'est sur moi, j'ai attaqué leur chef. Hein. C'est Silver qui prendra. Ok. Bring it on! Allez-y! Alors... Enragez-moi! Non, si il t'enrage et qu'après tu me tapes dessus. Touché! 6, 7, 8, 9 dégâts. Combien de résistance ? J'en ai 10, donc... Même pas mal. Même pas secoué, ni rien. Wood. Alors. Je vais me déplacer comme ça. Un petit peu. Parce que... l'aider le mieux que je peux. Et tirer à l'arbalète. Quoique... Mais non, à chaque fois... Tu l'as recharger avant, au cas où. Oui, bah en fait, j'aurais bien voulu essayer de faire encore un truc différent avec mon bricolage, mais à chaque fois, ça ne me sert à rien, donc... Et qu'est-ce que tu veux essayer de faire ? Bah, il m'avait dit qu'on pouvait pas en faire, c'était une grenade, mais on peut pas... je peux juste faire un molotov avec une lanterne, mais... Je vais faire ça, j'essayerai peut-être d'attendre. Donc j'ai juste tiré à l'arc, à l'arbalète, sur la créature ici. Je regarde juste la distance. Modificateur ? Non, il n'y a pas de modificateur pour le coup, vu que j'ai pris en compte que tu as rechargé avant de rentrer. Ça merci touche. Le dé Joker. Ah, dommage que ça ne fasse pas assez. Ah, ça va secouer le loulou. Je viens de me rendre compte que ça aurait été très marrant. Qu'elle tombe dans le puits, qu'elle essaye de se rattraper et qu'elle grimpe en utilisant la corde du truc, et je fais défaillance mécanique, elle retombe. En mode cartoon. Ah, Mimi qui dort. Non, Mimi se revient. Silver. Alors. Je vais aller là. Comme ça, je bloque je bloque la vue des autres, là, connard, en même temps. Ok. Bam! Et je le frappe. Bonk. Avec le fauchon, hein.
Tu n'oublies pas les perces armures, hein, avec l'arbalète. Je demande, parce que je n'ai pas pensé. Ah oui, t'inquiète, mais ils ont pas d'armure. Ah bah ça va alors. Pas besoin. D'ailleurs, une petite description aussi autour de, par rapport à la licorne, c'est qu'elle est entourée d'une sorte d'aura d'ombre. Qui a l'air de la protéger un minimum. Du coup, j'ai plus un parce que j'ai arme fétiche. J'ai la pougne aussi. Ça passe ou pas? Alors. Je frappe lui. Je regarde un truc parce que je me suis chié sur... Attends, j'ai ouvert une mauvaise fiche, mais normalement ça passe. Pas de problème. Ok. Crève, salope. Ouais, c'est ça. Oh, oh yes. Même la chaise est contente. Quelle chaise? Je sais pas, j'ai entendu la tienne. La tienne, ta chaise grince quand tu ne t'es pas dedans. Quatre power. Oh, merde. C'était trop mignon. La chaise. Désolé. Non mais t'inquiète. Faut que j'achète de l'huile, mais ça rendait bien. Remis. Du coup Silver il va. Silver au moment où il frappe l'autre, il va dire venez aux autres. On va mettre là. Y'a pas d'intimidation hein, c'est juste Eagle. C'est plus de la provoque que de l'intimidation là. Ouais, provoque. Mais c'est pas en mode provoque, c'est oui, vraiment sais, en mode. Non mais si jamais tu devais faire un jet, ce serait de la provoque. Oui, yes. Plus de loulou. Une éclair de la part d'Agathe. Super. Ah voilà, ça sert à quelque chose celle-là. Et finalement, il y en a pas tant que ça. Hein. Ouais, non, mais pas attends, ça porte malheur. Il y en a pas tant que ça pour l'instant. Et faut pas oublier. Et puis il y en a plein en haut. Hein. Attends, il faut pas oublier qu'il porte le. Oh mon dieu. Alors. On est d'accord que là j'ai pas, enfin là j'ai, si on ignore tout, j'ai la vision sur cette salope. Ouais, il y aura quand même quelques couverts qu'on prendra en compte, mais sinon oui. Ok. Parce que ce que j'aurais aimé tenter faire, mais je pense que je vais conserver mon tour. Je vais attendre qu'elle joue. Et si jamais elle tente de lancer un sort, je vais lui caster une dissipation. Ok. Donc je vais retenir mon tour. Elle. Qu'est-ce que je lui ai mis moi déjà à la madame? Je lui ai pas fait grand chose, je crois. Je crois qu'elle va servir de soutien. Et je retrouve sa fiche. Ah, elle peut tenter de faire quelque chose. Elle peut tenter de rendre sourds les ennemis. Hop, je retrouve sa fiche. Alors. Regarde juste un petit truc. Elle va se placer à côté de ce coup-là. Hop. Regarde juste un petit truc. Ok. Le loulou ici sera entravé par des liens dorés. Yes. Oh, c'est nice. Bien, Rosa. Bien joué. Bravo, souhait. Il lui donne, je crois qu'il a pas de fiche. Mais tu l'as toujours pas fait de fiche depuis le temps. Grave, il a un D12 partout. Ça fait 3 sessions qu'on se le trimballe. Oui, mais il faisait pas le trimballe pas, il nous accompagne. Pardon.
qu'on se le trimballe le porc. Il nous accompagne. Aucun respect pour ce pauvre Ludon. Désolé. C'est je vais faire un début de fiche. Okay. Alors... Pour moi, bah, attends, il est quand même censé savoir se battre un minimum. Bah, c'est vrai qu'en plus, ils viennent de la nation Serre, donc ils doivent savoir se battre. Il va ici. Et... Alors, attends. Est-ce que ça va toucher ? Ok, ça touche. Enfin, c'est censé toucher. Le sort. Il est où le dé ? Il est là. Par contre, ouais, c'est que ça. Oh. Belle. Alors, contre coup dynamique. Yes. Oh, c'est le pire. Super. Il ces bois qui brillent, il y en a un qui. Il y a un de ces bois qui pète. Oh, putain. Ah oui, à ce point-là. Heureusement que ça repousse. Et il est sonné. J'avais dit merci qu'il allait Ludon. Mourir, lui. Aïe. Il a voulu attaquer, c'est la loose, ça l'a puni. Alors, la madame ici se remet à revoler. Mon action a vraiment servi à rien, quoi. Attends. Elle a un point de fatigue, elle a démolé. Elle a un point de fatigue. Qu'elle va regagner en claquant un béni, non ? Ah non, non. C'est... Elle va avoir moins 1 sur tous ses jets. Ça va être génial. Juste alors. Silver, ça va être pour toi, ça. Elle tente de lancer un sort ? Elle va tenter de lancer un sort, ouais. J'essaie d'agir. Donc, c'est un jet d'agilité, c'est normalement. Alors... C'est athlétisme. Athlétisme contre athlétisme. D'accord. Et la dissipation, c'est pas un petit peu différent ? Dissipation, je te relis rapidement le truc, c'est... Il faut que je sois en attente et il faut que l'adversaire tente de lancer un sort. Il n'y a pas de jeu d'athlétisme ? Dans ce dernier cas, l'arcaniste doit être en attente et interrompre l'action adverse. Ouais, donc interrompre, tu dois quand même faire le jeu d'athlétisme du coup, ouais. Dans ce cas-là, je sais pas si j'ai raté, enfin si j'ai réussi. Bah, si c'est raté, c'est raté techniquement. Je relance. C'est mieux. C'est interrompu. Ok, je caste dissipation sur le sort qu'elle veut tenter de caster. Donc, c'est un jet opposé, ça me semble, donc vas-y, lance-le. Ouais, c'est un jet opposé, je vais mettre... Ah non, c'est d'abord, elle lance son sort et ensuite tu... Pouvoir... jet opposé d'Arcane, malus de moins 2, si... Non... Ouais, c'est ça, donc c'est toi qui es opposé. Donc du coup, c'est elle qui attaque, c'est toi qui défends, c'est toi qui empêche. Ok. Donc vas-y, mec, bon courage. Ah, c'est vrai qu'elle a un moins 1. Ok. Elle a un moins 1, est-ce qu'il n'y a pas une carte que je peux utiliser ? Non... Utilisez pas toutes les cartes tout de suite. Non, ouais, non. Je vais tenter. Je vais y mettre la portée et la fatigue. Parce que actuellement, là, j'ai pas la portée. Je prendrai pas en compte la fatigue, par contre. D'accord. Pas sur un sort comme ça. Ok. Bah alors, la portée. Et il ne s'annule pas. Bah, alors, ça a servi à quoi ? J'ai rien compris, moi. J'ai tenté de contrer. J'ai tenté de contrer son sort. Toutefois, il va... Je vais le prendre comme ça, et il sera un peu moins puissant pour le coup. Ok. En gros, tu lui as donné une... Je lui ai baissé d'un cran sa réussite. C'est pas que tu lui as baissé d'un cran sa réussite, c'est juste qu'elle a dû essayer de passer ta dissipation plutôt que de passer les seuils de réussite habituels. Ok. Ce qui, en fait, c'est pas déconnant que ça, si je le fais jouer ainsi. Donc, Silver, tu vas te prendre... 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. Bah, du coup, encore encaissé. Dégâts sur 9 de résistance. Sur 10. Où ça chatouille ? M'en bats les couilles, frère. Silver en mode. Et t'as c'est tout ce que t'as ? Rognasse.
Non, il dit pas grognasse. Il est encore bien élevé, il n'est pas encore enragé. Ça arrivera après. Quand il sera enragé. Là, il va y avoir grognasse qui va arriver. Là, il va y avoir du sport. Grognasse. C'est ça. Nouveau tour. Là là. Hop. Alors, Wood, un petit béni. Oh. Le bijou de Wood. Je suis 3. Oups. J'ai très envie de claquer un béni pour agir avant elle, pour essayer d'agir avant elle. Je vais faire ça. Un claque. Pour retirer une carte. Une carte. Un roi de trèfle. Alors. Alors. Je vais mettre ici. Et tirer sur celle-là, qui est à la droite de Silver. Ok. Et toujours ce que l'entrave donne, il me semble qu'elle est. Ouais, voilà, entrave c'est distrait et immobilisé c'est distrait vulnérable. Donc tu as plus 2 pour la. Ah non, pardon. Ah, tu as plus 2 avec ton Joker de base. Mais j'ai aussi moins 2 parce que je recharge et je tire. Ouais, donc pas de malus. J'en ai marre, je relance. C'est incroyable, tu touches jamais avec cette petite. J'ai un D8, c'est pas si mal, mais je suis tout le temps 3. Mais moi, c'est pareil, à chaque fois, l'arbalète, c'est que dalle. Ça me... Voilà, ouf. Et pour les dégâts, 2 avec le Joker. Et à chaque fois, les bonus damage, c'est pas mal, mais les dégâts, c'est moyen. On va se secouer. Ah, mais t'as plus 2 aux dégâts. Bah, je l'ai mis. T'as mis le plus 2? Ouais. Ok. Bon, pas bah, dommage. J'ai limite envie de reroll les dégâts. Non. Alors. Celles-ci vont commencer à se rapprocher. Ah bah déjà, non, c'est pas celle-ci de jouer, je m'ai encore trompé. Mais renfort, c'est pour les ennemis. Oui, c'est pour les ennemis. Ça nous donne une carte supplémentaire. À tous, et on peut tous jouer une carte de plus, mais bon. Ouais, non. On va pas jouer renfort. Non. Ça a l'air bien sur le papier où tu te dis, oh pire, t'as quelques ennemis en plus, mais on peut utiliser une carte en plus chacun. Oui, mais dans Savage World, il suffit de 2 ennemis en plus et... Silver, tu ne vas pas être apprécié. La gueule. Quoi? Attends. La gueule. Mais ta gueule. Mais non, mais non. Des fumbles. Yes. Mais non. Soit des fumbles, soit des affreux. Hein. Elles sont 3, elles ont fait 3 fumbles. La louche de la portée. La louche de la portée nous protège. J'ai lancé 3d6 parce que c'est des extras. 1-1-1, j'ai dû faire une confirmation. 1-1-1. Les probas. What? J'ai envie de dire, la louse de la muerte nous protège. Exactement. Tout le monde avec un masque. Moi-même. Tout le monde avec un masque comme... autour. Attends. Mais non, mais sont... Enculez-vous. Aïe, Archer, il m'a eu oreillette. Donc, elles ont eu toutes sonné. Elles ont toutes eu sonné et t'as voulu vérifier si c'était pas cassé avec court-circuit. Ouais, c'est ça. Oui. Eh bien, chez la louse. La louse de la muerte nous protège. Je te dis que ça va être la meilleure religion du monde. Anne, il est là en mode, mais what the fuck. Mais c'est quoi cette entité? C'est RN Jésus. Non, c'est pas RN Jésus. C'est la louse de la muerte. Apprendra à ne pas envoyer des renforts. Demain, je me peins la gueule, hein, je m'en fous. Ça marche, je te le prie. Alors, Red, c'est pas de la peinture, c'est de la teinture. C'est de la teinture. Non, ce sera de la peinture sur la peau des humains, mais c'est de la teinture. De la teinture, putain. De la teinture pour les poulets, puisqu'ils ont des poils. Oui, alors, bah du coup. Alors, moi j'ai envie de dire un truc. J'imagine. La loose. J'imagine le crâne de la loose de la muerte en mode. Tata la ta, qui rentre sur un truc de cache. Et ça, elle est arrivée, elle a fait un spire sur les mobs, et puis elle est partie. Reine, il y a une troisième... Je vois 3 sonner, et j'en vois que 2 sur la carte. Ouais, pardon. Il y en avait un dans notre dos, il s'est cassé la gueule.
Est-ce que faut que je calcule les probas. 6 x 6, 36 x 6, 4, 5, 6. Il y avait une chance sur 46 656 de faire 3 fumbles. Je peux jouer. Non, Dice, prends pas vite. Tu peux y aller. Merci. Au lieu de compter les probas, là. Mais non, c'est bon, les 3 sont sonnés. Du coup. Je me tâte soit à avancer simplement, soit à faire... chiant. Relance mes dés au cas où. Voilà. Non, ils sont bien joué, Ren. T'as fait un truc comme au loto. Pour le moment, je vais à côté de Silver. Donc ça fait 10 mètres. Ah, j'ai oublié ma boule. Mais je peux pas la bouger, ma boule. Ah, t'as pas le contrôle dessus. Non, c'est bon, je mets la mienne. Voilà. Mets la... Ouais. Hop. Et les autres, ils ont pas de lanterne ni rien. Joue quand la pétasse. Je vais y arriver. Je vais donc claquer un point de PP supplémentaire afin de doubler ma distance. Et je vais faire un sort de lumière que je vais lui coller à elle. Ok. Pour l'aveugler. Non, pas pour l'aveugler, mais je pars. Enfin, ça marche pas. Ça la sans la voix. Il y a un sort pour ça, aveuglement, que je n'ai pas. Mais après, tu peux le faire en tant qu'épreuve pour essayer de l'emmerder. Oui, mais c'est ce que je veux faire. Ok. J'estime que si la meuf c'est l'ombre, si je lui mets de la lumière dans la face, ça va peut-être faire un truc après. Ok. Merci. Ok. Elle aura résisté au machin. Mais elle a une lumière sur la gueule. Juste, doubler les trucs c'est un point de plus ou deux? Un point, c'est triplé que ça. Ah, ça bah coûte alors deux. Attends. J'ai compté 2 tout à l'heure. Donc, attends, elle a un point de fatigue. Ouais. Oui. Ouais, non, oui, elle a... Comme... non, elle a réussi de 2 points. Elle avait réussi de 2 points sans valus. Tu casses les couilles, salope. Mais par contre, donner un point de fatigue, ça coûte 2. Oui, 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 ça c'est bon. Mais du coup, j'avais compté. En fait, j'avais m'étais enlevé 6 points tout à l'heure. Du coup. Ah. Mais alors qu'il fallait en enlever que 5. C'est important. Qui est après tout le monde? Je retiens mon tour. Ok. À nouveau, je veux l'empêcher d'agir, juste. J'ai l'impression d'être dans Guild Wars avec les mecs. Gay commence à lancer un sort. Non. Mais en fait, là, c'est toute ma famille ou ça se passe comment? Oui, d'ailleurs, les autres créatures d'ombre, elles ont des masques ou pas? Il y en a que quelques-unes qui en ont pas toutes. Et tu ne reconnais pas les masques de ta famille, t'inquiète pas. Ouais, enfin, Rose m'a dit qu'il y avait eu des morts. Hein. Oui, il y a eu des morts, mais pas de ta famille. Pas dans ta famille. Elle a tenté de faire un sort, mais n'a pas réussi. Alors ici, tac. Ça. Alors du coup. Putain, je dois faire des hauts et des bas avec ces. Pour aller chercher les fiches. Il va falloir buter ces petits machins là avant de pouvoir la tuer elle. C'est pas impossible. Je sais pas pourquoi. L'instinct jeu vidéo. L'instinct Dragon de l'End.
mais ça bouge vite. Ou alors ça va nous faire devenir des ombres, on va rien comprendre. Alors, qu'est-ce que j'avais dit là-dessus? Tu vas me faire un jet d'âme, s'il te plaît, Silver. Please, no. Bah, please yes, visiblement. Please, si. Et si on sous-doit? Est-ce qu'on a le droit de pas faire de jet? Je pense pas que Ren, il accepte des currency. Bon, par contre, ma fiche de perso... J'ai d'âme. Allez. 1, 2, 3. Je reviens. Je relance. Ok. Allez. 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 C'est... Est-ce que je peux utiliser un point de conviction? Pour bon, ça. Il faut le dire avant. Ah ouais. Et oublie pas que ton point de conviction c'est pour tous tes jets de traits du tour. Donc tu as le droit vraiment... d'utiliser un jet de conviction, ça me semble. Je vais juste relire du coup pour la conviction. Ah, puis... Il se passe quoi si on loupe le jet d'âme? Bah, j'ai peur. Après ça peut être un sort de terreur, ça peut être. Tape sur ce coup là. Je vais ça relancer une deuxième fois. Ça peut être un sort de marionnette. Allez. Parce que 4, ça se trouve, c'est pas assez. Bah, je vais... 4, peut-être... c'est lui. On va voir. Je vais rester à 4. Ok, alors... Monumentale erreur. Silver. La bestiole est en train de tourner autour de toi. Tu sais pas trop ce qu'elle veut. En tout cas, ça vole, c'est petit, mais c'est assez menaçant. Ouais. Oui. Elle rentre par ta bouche. Et tu n'as plus le contrôle de ton corps. Écartez-vous. Écartez-vous. Arrêtez de me rentrer dedans. Non, mais justement, il dit écartez-vous. Elle est dans ta bouche, ça va être compliqué de dire ça. Cette fois, tu arrives à te contrôler un petit peu. On te dit d'attaquer les autres, mais tu n'as pas envie et tu arrives à maintenir ça pour le moment. Silver, il va faire contrôle. Écartez-vous. Non, par contre, tu ne parles plus. Ah merde. Ah oui. Mais tu regardes mal les autres et tes yeux sont noirs, totalement noirs, ou plutôt rouges comme les ombres. Ouais. C'est l'occasion de tuer Silver sans qu'il y ait de raison qu'il soit contre nous. Sans qu'il y ait de remords. Sans qu'il y ait de remords. Les bails tombent. En réalité, je voulais te tuer depuis le début. Alors... Piouf. Piouf. Là, ça touche. Plouf, être méchant, c'est pas ouf. Ouais, j'ai regardé s'il n'y a pas un atout que je pourrais utiliser qui me rend complètement invulnerable à ce genre de conneries. Non, mais t'as des atouts pour résister, mais ils sont assez... J'ai soigné sauvage. Ah. Onyx. Donc Agathe a désingué un des... Une des ombres. Onyx, lui... Alors, il va nous faire un petit dé de course. t'affiche, Onyx, where are you? Là. Un petit jet d'athlétisme au passage, parce que je vais nous faire un truc débile. Mais ça passe. Il va prendre son élan, sauter,
se mettre devant ce coup-là en mode « je te protège » avec une épée. Il tient. Et il meurt. Eludon, bah, tu vas peut-être nous faire un petit jet de vigueur, ça sera bien, Eludon. Qu'est-ce que t'en penses, Eludon ? Eludon, là. C'est non. Ren qui veut se débarrasser d'Eludon, comme ça, ça lui fait une... C'est pas vrai, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Eluloo. Alors, le loulou, il va déjà tenter de se... Putain, mais il est... Attends. Ah non, il est secoué, juste pas sonné. Alors... Lui, il est entravé, hein. Ouais, ouais, mais il faut déjà qu'il se restabilise, mais il n'y arrive pas. Il est entravé et il n'arrive pas à se dessecouer. Les autres loulous... c'est quoi, là? Ah oui. C'est rapide. J'allais dire il m'en manque un, mais oui, il y en a un qui est mort. La madame. Elle prépare un sort, donc il va y avoir de l'athlétisme, je suppose. C'est ça. Ouais, exactement. Juste pour la dissipation, c'est censé coûter le coup du sort que tu essayes de dissiper également. Non, le coup du sort, c'est juste... C'est le coup de la dissipation. Et d'ailleurs, en fait, c'est avec quelle magie que tu essayes de dissiper ? C'est de la magie des cordes. T'en fais pas. D'accord, donc c'est bon. Donc, athlétisme. Donc, dissipation. Mais 2 secondes ! C'est opposé. Ah oui. Que d'ailleurs, je vais m'avancer donc, un peu. Donc, dissipation. Ouais, donc je vais juste m'avancer histoire de pas avoir à réutiliser... C'est combien de distance ? C'est intellect, donc c'est intellect x2. J'ai des 10, donc ça me fait 20 mètres. Non, dans tous les cas. Ouais, non, je vais rester là, je vais quand même utiliser 2 pp. Donc distance plus... je peux rien faire d'autre. Il y a mon truc. Un petit 13 ? Ah bah écoute, oui. Elle ne fait pas ses sorts. Et sachant que si c'est une prouesse, son lanceur est distrait. Ah ouais, distrait ? Oui. La gueule. Chez ça. Ça n'a rien faire. Moi, ça va être compliqué de faire quelque chose, je pense. Silver, on te dit de taquer tes amis, mais... mais tu arrives à résister à cet ordre, mais ça ne veut pas dire que tu arrives à te contrôler. Je relis certaines choses. Je fasse un jet ? Attends, je regarde juste pour être sûr, mais techniquement, je crois qu'il y a un jet à faire. Alors. C'est marionnette ou un truc comme ça, il y a un jet à faire pour qu'il se... Il me semble. Qu'il se libère. Je vais prendre volonté de faire, moi, je pense. Ça me fait plus 2 à tous mes jets pour résister aux épreuves faites par des pouvoirs. Oh, c'est pas con ça. Yeah. Alors, en cas de succès, tu résistes à l'ordre en particulier. Et en cas de prouesse, tu brises l'emprise. Donc oui, tu peux faire un jet d'âme. Alors d'abord, je vais utiliser Soyez Sauvage. Et je vais prendre l'atout Volonté de Faire. Volonté de Faire. Si j'avais l'atout déterminé, ce serait plus 2 à mes jets... contre les épreuves de l'âme ou un intellect. Mais je prends en compte qu'il y a déterminé avec, techniquement. Mais oui, c'est ça. C'est comme déterminé, sauf que c'est sur tous les pouvoirs. Pas seulement ceux qui se basent sur l'âme et l'intellect. Tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs basés sur l'âme et l'intellect, volonté de faire, ce me semble. Ah non. Non, non. Il y a marqué. Exactement. Bah, c'est marqué... il fonctionne... Bonus. Attends. Et ne s'applique pas. Le héros bénéficie du bonus octroyé par l'atout déterminé pour résister au pouvoir. Ouais, donc sur l'âme et l'intellect. D'accord. Ok. Bon bah. Mais c'est de l'âme. Mais là, c'est pas une épreuve. Tu dois juste essayer de te débarrasser de. Bah oui, mais j'ai quand même plus 2.
Pas là. Pas ça pour essayer de... Là, tu... ce n'est pas pour résister à une épreuve, c'était... ça aurait été pour au moment où tu te faisais prendre contrôle. Oui, mais là, c'est pas une épreuve. Bah oui, là, c'est pas une épreuve. Là, c'est un pouvoir. Attends. C'est pour oui, ça mais là, que... je veux dire, c'est au moment du lancement du pouvoir, pas au moment où le... Enfin, comment dire. Bon, t'as pas le plus 2, quoi. Le plus 2, ça aurait été... Le bonus aurait été au moment où tu te prenais le pouvoir dans la gueule. Bon, je claque un point de conviction, c'est pas grave. Et c'est jusqu'à la fin de cette rencontre, ça pourra toujours être utile. Donc là, j'ai plus 2 pour manger, on est d'accord ? Non. Pour l'âme ? Pour l'âme, non. Alors, qu'est-ce que c'est bugué ? Pourquoi ? Bon, relance-le. 2 et 5. Mis le moins ou... 2 et 5, c'est... ça te donne. Allez, c'est le plus, je pense. Ouais, ça a dû laisser bon, ça. Relance-le. Mais... Relance-le, parce qu'il paraît que c'était un 5, l'autre. Non, mais... Bon, là, je peux plus rien faire, je suis désolé. Vérifie quand même qu'il est pas cassé, sait-on jamais. Vérifie qu'il est pas cassé, mais techniquement, là, je peux rien faire. C'est pas loin d'être cassé. Mais c'est pas vrai. On aurait dû garder le 5. Bon, le cas du fumble fait que bah, tu vas attaquer les autres. Je vais lancer un des 3 parce qu'ils sont à côté de toi et tu vas t'attaquer à 1, 2, 3. Ce coup là. Enfin, c'est Silver, si tu voulais me percuter, on pouvait faire autrement. Hein. C'est le moment de faire des fumbles, Silver. Non, bah, bon, avec mon arme fétiche et tout. Bah, vas-y. Hein. Bah, attaque juste que... normal, hein. N'oublie pas, la loup, c'est avec nous. Est-ce que je peux choisir de ne pas attaquer avec mon fauchon ? Non, tu ne réfléchis pas spécialement. Tu as une arme en main, tu attaques. C'est bon. Combien de parades ce coup-là ? 5. Aïe, aïe, aïe. Ça touche. Rôle dommage. Non. Pitié. Ça fait mal. Ah, et en fait, t'avais utilisé un point de conviction, donc techniquement, non. Le jet est plus fort. C'est sur tous les jeux. Il a sorti le point de conviction. Non, mais il l'a utilisé sur son âme. Avec, non, mais le truc, c'est... Moi, je pensais que ça allait faire pour mon âme. Du coup, ça va marcher. Bah, ça le fait sur tous les jets de trait du tour. Mais pourquoi ça l'a pas compté sur mon jet d'âme ? Pourquoi tu m'as dit non, tu le mets pas sur ton jet d'âme, du coup ? Ouais. Mais c'est le plus 2 que j'ai dit, que tu mets pas sur le jet d'âme. Oui. Mais j'ai dit après, conviction, je n'ai pas de conviction pour le mettre. Mais conviction, ça donne pas des plus 2. Conviction, ça donne un D6 explosif en plus, sur ton jet. Un bonus d'un D6 explosif. Sur mon jet d'âme ? Tout est jeté dans le round. Ah bah du coup, moi j'ai mis mon jet d'âme tout seul. Oui, il a pas mis le... Bah oui, mais pour le coup, ça a fumble. Ouais. Et malheureusement, conviction ou pas, le fumble, il est pris en compte. Ouais. C'est pas grave. Désolé. On a eu la chance du monde, il fallait bien que ça nous retombe dessus. Alors. Bon, je prends pas le D6 supplémentaire pour l'attaque. Et 15 dégâts du coup si ce coup-là. Mais faut qu'il fasse son dé de conviction, il l'a acheté. Et j'ai dit que j'étais généreux. Parce que sinon tu risques de prendre 18. Bah, c'est surtout que techniquement c'est pas lui qui contrôle là, donc techniquement c'est l'ennemi qui fait l'attaque. Oui, mais il y a eu des carabistouilles, je suis gentil. Oui, mais c'est pour ça que je dis que le point de conviction fonctionne pas. Pas grave. Bah, j'ai 5 en Restons. Résistance, donc ça pique. Ça te fera 2 blessures. Ouais. Vous voyez que Silver pleure. Hein. Je vais faire un béni pour essayer de intérieurement. J'ai de vigueur ? Oui. Tu peux faire ça. Pas les couilles ! Pas les couilles de ton fauchon. La loose de la muerte la protège, en Elle l'a arrêté avec la corne. Elle a arrêté le fauchon avec la corne. Star Wars. Non, elle l'a arrêté avec ses cheveux. Avec sa dent. Avec ses dents. Ah, ça s'est coincé dans mes cheveux en fait. Ça rebondit sur mes cheveux. Ah, t'as pris un bain avant, comme dans mon dessin. Silver, il peut rien dire, mais il pleure, hein, là, donc.
Oui, bah on va pas venir te bercer, t'essuyer tes larmes, on n'a pas le temps là. Hein. Ah ben non, mais bon. Toi aussi tu lui as mis du rouge, Lucky. Toi aussi tu avais mis du rouge sur ses yeux. Non, c'est comme ça que c'est, donc j'ai pas. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Juste que moi, ça, je ne vois pas. J'ai rien. Hein? J'ai pas de blessure, j'ai rien. T'as rien. Oh, mais quelle femme! C'est ce que je dis, la loose de la muerte. Non, mais ça me tue, quoi. Elle est nulle à chier, elle se prend jamais aucun dégât. Elle dit pas qu'elle est nulle à chier, c'est pas. Non, mais si, pour le combat, elle est pas ouf, mais c'est drôle. Alors, faut juste que je regarde un truc. La loose intervient vraiment. Voilà, elle a arrêté l'épée en étant dans cette forme-là. Sa forme ultime. Je suis la loose. Et c'est là que c'est vrai qu'il y a une connerie de time travel, ce serait bah, peut-être, hein. Mais moi, je pense que ça va être ça. Je pense aussi, ça pourrait. Regarde juste un truc, hein, excuse-moi. C'est alors, donc, du coup, récupérer le point. D'accord, donc ouais, il y en a deux qui vont se dessonner. Elle reste toutefois vulnérable. Et elles vont attaquer, mais avec des... Enfin, malus bonus, du coup. Une Skoula, une Silver. Une Skoula, une Rose, pardon. Les deux touches. Oula! Ouais. 12, 13, 14, 15 dégâts. Bah, le béni, hein. Bon, ça va pas refaire. Ça va pas refaire 14, mais bon. Tu encaisseras une blessure, tu seras qu'à une blessure. Tu peux tirer sur la table des blessures. Rose. Est-ce que je suis sonné ou quelque chose du coup? Tu es secoué. C'est ça. Rose. Oh, putain. Tombera simplement au sol. Ah oh lourd. Ça va pas le faire, voilà. La lune coule. Du sang coule de la lune. Et là, ce coup-là va entrer en mode enragé. Elle va goumer. Super Saiyan Skoula. Alors, Agathe Power. Ouais. Elle va se TP ici. Mais elle voulait lancer un autre sort pour essayer de niquer les autres. Mais pour le coup, elle l'a juste raté. Ouais, elle se met en mode pas touche à la madame. Wood. Alors, est-ce que là, éventuellement, excusez-moi, bricoler avec ma lanterne. C'est pardon, oui? Pardon ? Pas attention. Ne pas faire attention, ok. Dans le doute, t'avais pris le sort explosion. Au cas où, c'est ça ? Non. Donc oui, tu peux bricoler un truc avec ton atout. C'est censé te prendre un tour, non ? Oui, je crois... Je relis. Débrouillard. Il peut rapidement bricoler une machine adaptée à toute situation. Vas-y, prends un tour complet durant lequel il peut ni se déplacer ni accomplir d'autres actions. En cas d'échec, l'engin n'est pas encore prêt. En cas d'échec critique, il ne sera pas en mesure de fabriquer l'outil désiré. En cas de succès, il peut fabriquer un explosif de faible puissance, une arme de poing à coup. Non, c'est pas l'arme de poing à coup, mais je voulais faire comme l'autre fois, une espèce de mini molotov. Ouais. On sait jamais. Bah, tu peux, c'est un jet de réparation, ça me semble. Oui. Je relance. Ce serait bien un bouton relance sur les trucs. Voilà. Okay. Il me semble que du coup, les dégâts de l'explosion, ça sera 2d4, si je dis pas de conneries. 2d6 dans un gabarit moyen ou 2d4 dans un grand gabarit. Je vais prendre 2d4 dans un grand gabarit. Non, ça c'est en 4 prouesses. Ah oui, en 4 prouesses, pardon. 2d4 dans un petit gabarit. Petit gabarit? Oui. Ok. Toujours mieux que rien. Ça me prend le tout. Bon, lui, le loulou, il va peut-être réussir à se désecouer. Il a réussi à se désecouer, mais arrivera-t-il à se désenchevêtrer?
La réponse, c'est... Il s'est encore plus enchevêtré. Ah, chez. Quant à l'autre loulou. Non, mon Graou sur Ninix. J'avais cru voir un 1 sur le dé. Non. Est-ce que ça touche le Onyx? Ça touche? Non. Bon, bah, par contre, les dégâts, c'est pas ouf. Donc, c'est bon. Il le chatouille juste. C'est ça. Ça mordit un... sur le cuir de son armure. Là, par contre, hop. Voilà, eux se sont déplacés. Silver, le jet d'âme. Oui, alors cette fois avec le dé en plus. Parce que c'est toute la rencontre, hein, le truc. Non, c'est qu'à un tour. Sauf si tu balances un béni, tu peux le faire un tour en plus. Je vais balancer un béni, parce que là, sinon je l'ai claqué pour rien, vu que je l'ai pas utilisé au tour dernier. Mais monsieur, j'arrive pas à compter de la redonner, non? Non, j'ai juste pas compté le dernier jet. Je lui ai redonné. Bah, je sais pas. C'est pas ce que j'avais dit, mais non, j'avais dit que je le comptais pas. Oui, d'accord. Du coup, je lance mon jet d'âme et après je fais la chair 1d6. Oui. Bon. Ah. Déjà. Bah, laisse le faire son. Oui, oui. Je vais juste ressortir la bestiole qui sera juste au-dessus de toi. Un des 6, et il faut que je rajoute un point d'exclamation pour que ce soit explosif. Point d'exclamation, un des... Non, slash R, un des 6, point des... deux points d'exclamation. Bah, un seul, ça suffit, non? Oh. Oui, mais deux, ça donne les résultats directs. Et comme ça, on dirait qu'il a des lunettes de soleil. Yes. Super stylé. Quoi? Ah bah oui, alors je te prends un screen. Au moment où la bestiole lui sort de lui, Silver, il va l'écrabouiller. Ok. Il va l'écrabouiller et après il va au contact de eux là. Tu fais un jet de coup de combat avec une arme que tu veux à moins 1. Ouais, sauf que moins 1 plus 2. Non, plus le truc de conviction. Ouais. Et un plus un. D'ailleurs, le dé de conviction, il doit le relancer à chaque jet. Oui. Oui. C'est plus un dé 6 explosif à chaque jet de trait pendant le tour. Donc là, il fait son dé de combat, puis un dé 6, c'est ça? Explosif. Ouais. C'est mis en plus grand. La chair, un dé 6. What? Dommage. C'est pas assez? Pas assez. Oh, t'es sérieux, quoi? Pour une fois que je jette un jet de conviction, ça me sert à rien, quoi. Mais tu peux quand même te déplacer. Oui, mais non, je vais pas me déplacer, je vais rester au contact de ça, là. Ok. Fizzle. Est-ce qu'il vaut mieux que je reste derrière et que je continue à annuler ses sorts pour éviter qu'elle nous pète la gueule? Franchement, là, on a un peu plus de soucis, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas. Sachant que Silver aura prévenu de faire attention aux petits trucs parce qu'ils essaient de rentrer dans la bouche et de prendre contrôle. Pendant un tour, je vais pas l'emmerder à l'autre poufias. Mais je vais tenter un truc. Tac tac tac. C'est quoi ces cercles rouges? C'est moi.
Ah. Elle fait des tests. Excusez-moi. Bah justement, je comptais faire un truc sur ces cercles, ces gabarits moyens là que tu utilises. Celui-là, ouais. Ah d'accord, le petit c'est moyen, ok. Celui-là c'est le grand, le petit okay. Il est là. Le petit c'est le moyen, non c'est le... Bah je pense que je vais utiliser le petit le grand gabarit que t'es en train d'utiliser là. Ouais. Et je vais faire le sort ravage. Ici? Là, sur le grand gabarit, ouais. Ok, parfait. Là. Du coup, attends, je vais essayer de là. Toucher. De sorte à ce que ça touche tout cela. Ok, hop, voilà. Voilà. Je vais le mettre en puissant. Donc ce sera force moins 2. Et en grand gabarit, donc 2 mana en plus. Et je vais tout d'abord me rapprocher. Hop là. Et est-ce que j'utilise un autre modificateur? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modificateur déjà? Désolé, j'aurais dû regarder ça un peu avant. Non, ça va être tout. Ça va être tout. Du coup, je caste. Vas-y. Ah, en fait, j'ai oublié de te demander de piocher dans la table des blessures, ma chérie. Je l'ai fait, j'ai perdu un dédier. Ah, tu l'as fait? Ah, un dédier, ok. Alors, c'est réussi. J'ai de force à moins 4 pour éviter d'être. Ils sont déjà distraits, sinon ils sont projetés à 2 des 6 cases. Distraits, ils le sont automatiquement. Mm-hmm. Ah, mais du coup, non, ça va les envoyer. Donc, ça, c'est. Ça va les envoyer vers là, en fait. Bah, ouais. Non, ça va les envoyer vers si. Là. Non, ça envoie de, à l'extérieur du centre du cercle. Ah, c'est de la merde. Bah, ça peut très bien être par là, hein. Bah, pas là. C'est sur l'extérieur du centre du cercle. Bah là, c'est l'extérieur. J'aurais peut-être dû... Oui, là, oui. Mais les autres qui sont là, ils vont sur votre gueule. Alors, du coup, deux merde, secondes. Ah bah, merci, Fizzle. J'ai pas moyen de changer. Ah, oh, c'est trop tard, j'ai casté le sort. Ouais. Un peu tard, ouais. Tant pis. Donc... Avec un peu de chance, lui il va cogner lui, lui il va partir dans les forêts et lui il va partir dans l'eau. Oh ouais, ça serait bien. Beaucoup. Ouais, il s'est vraiment retrouvé juste à côté de moi. C'est pas bouffé le muret quand même. Il a survolé. Là je vais juste faire des jets de percussion aussi bien sur Silver que sur la bestiole. La bestiole prend. Pas énorme, mais sera secoué. Silver, tu vas te prendre 5 dégâts. Quoi? Parce qu'il y a la bestiole qui t'a percuté sauvagement. Très bien, 5 dégâts sur 10 de résistance. Oui, bah les couilles donc. Ça va, c'est le machin a heurté un mur. Alors, se prend des dégâts. Celle-là, elle bouge pas? Non, celle-là ne bouge pas et j'ai pas fini de toute façon. Mm-hmm. Alors tu te calmes. Techniquement, celle-là non plus, elle bouge pas parce qu'elle est enchevêtrée. Et ben en fait, elle est enchevêtrée, elle est ensaucissonnée, mais elle va bouger quand même. Mais toujours enchevêtrée. Le saucisson qui bouge. Et là. Voilà. C'est bien, comme ça tu peux quand même viser ça. Cool. Alors. Je vais faire. Déjà, le jet d'âme. Pour me dessecouer. Je pense que je suis dessecoué. Oh non. Ensuite. Je vais faire une double action. Mm-hmm. Je vais aller soigner ma sœur. Ouais. Et ensuite, je vais faire terreur ici. Alors, je veux pas casser ton délire, mais tu aurais su que la terreur ne fonctionne pas sur eux. Je vais pas te gâcher des manas, mais tu le sais maintenant. Ça sert à rien. Et ben, je vais faire une simple action et je vais soigner ma sœur. Ok.
maintenant en fait. Ça casse les couilles. Je vais soigner ma sœur et je vais faire enchevêtrement sur cette merde. Ok. Du coup, c'est moins 2, c'est ça ? Moins 2 sur les deux actions, ouais. Quelle idée de merde, ça me fait un moins 3, franchement. À réussir ! La loi de la muerte nous protège, tout ça, tout ça. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, elle te protège. J'ai mis un. Elle se relèvera doucement. Attends, j'ai fait moins 3 là. Ou j'ai mis plus 3 parce que ça me paraît bizarre. Non, il y a eu un négatif, donc t'as mis moins. T'as mis moins 2. Je relance. Ah mais je suis con, je voulais mettre ma conviction. Alors, le petit Onyx. Oh merde, vous avez vu ce qu'a mis Golden ? Hein ? Ici, le petit frère, notre mère s'est blessé à la jambe, on revient plus tard. Ah, je l'ai pas vu. Où ? On met en pause du coup ? Bah, tu peux faire les autres, mais. Ça va pas être son tour avant le avant le ouais. Prochain. On mettra en pause s'il est pris en compte. Ça. Merci, Lucky, pour cette. Alors, Onyx, ce BG. Qu'est-ce que tu miaules, toi ? Il a utilise son épée avec une télékinésie et va faire. Oh, tu sais quoi, on va faire comme ça. Bon. Pire en pire quand je relance. Voilà. Trancher le loup en deux. Easy peasy. Quel homme. Au moins j'ai toujours mes résistances. Moi si l'autre petite merde essaye de m'attaquer. Et Loudon. Il est toujours sonné ce con là. C'est raté. Il va passer tout le combat assommé, ce con. Il peut pas lancer un béni. C'est un extra. Il n'a pas de béni. Eh ben, ça devient un non-extra vu qu'il devient perso important. Important mon cul. Bah si, il est important. Il fait partie de la loi de la muerte. Oh non, s'il va dans Agathe. Oh putain, mais cette sale merde. On peut le tuer. On peut la tuer. Mais il veut pas tuer Agathe. Je rigole. Enfin. Et pas trop. Juste un petit. Ah si, on n'a pas le choix. On la bonque hein, jusqu'à ce que le machin y sorte. En mode exorcisme. La louche de la moitié te libère et on la frappe. Alors Agathe se fait contrôler. Putain mais c'est quoi ces merdes ? Bah c'est des merdes, je vous avais dit que ça serait de la merde. Mais c'est pas un peu OP ? Parce que là, à ce niveau-là, ça sert à rien, même si on était 15 de plus. Même si on était 15 de plus avec une seule, c'est déjà la merde ! Non mais en fait, ça casse les couilles, il y a trop d'ombre, l'autre elle est imbutable, le machin il le contrôle. Oh, on est dans la merde. Alors, ça va être pour Silver, il y en a que pour lui. Hein. Oui, bah d'un autre côté, vu la taille, heureusement quoi. Alors, les dégâts donc, mon cher Silver. Pour une fois que je dissipe pas ses sorts. Alors, 9, 10, 11 dégâts. Ouais. Tu es sonné techniquement. Juste secoué. Oui, secoué, pardon. J'ai dit sonné, je voulais dire secoué. Enragé. It's time to greux. It's time to greux. Faites en grès. Non. 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 Faites non, en grès. Non, ce film était nul. Non. Faites en grès. Non. Fais-le. Pour leur la figure.
Du coup, je vais faire le jet d'intellect. En fait, est-ce que j'ai pas le choix? Si, tu peux. Tu peux, si t'as envie de rester, de partir enragé, tu peux choisir de foirer ton jet. Ah, mais Silver va ne va pas réussir son jet, il va péter un câble et se mettre à hurler sur l'autre grognasse. Stalope, viens ici que je te bute. Hop. Viens sans tes ombres, espèce de pute. Oh, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore, là. Alors. Combien de parades, Gal? Techniquement, 8. Donc, depuis 8, que j'ai le fauchon sorti. Sachant que j'ai, si tu comptes qu'elles ont des bonus avec blocage, j'ai oublié de les compter, mais du coup ça passe, mais elles vont pas faire énormément de dégâts. Bah, le truc, mais... ces blocages en fait, ça annule un point de. Non mais j'ai pas compté les bonus qu'elles avaient de toute façon, donc. D'accord, mais je te le dis quand même. Et du coup, oui, effectivement, j'ai 8 avec mon fauchon de sortie. Alors, celle-là. La rose. Maintenant qu'elle est restabilisée. Voyons ça. Est-ce que je peux trouver ça? Elle va faire ici un mur de lumière qui va les empêcher de passer et d'attaquer. Qu'il va falloir briser au passage avant. Ah bah super, je voulais passer là pour aller plus vite. Oups. T'es pas du tout fait exprès. Non, c'était pas voulu. Ah bah oui, bien sûr, tu m'as pas vu faire montrer. Non, j'avais pas tilté vraiment. C'était l'action qu'elle voulait faire depuis le début. Alors, appeler, mélanger, distribuer. Silver, le béni. Ben Silver, il va frapper là et là. Double bonk. C'est plutôt un tchak. Ça t'a dit là et là. Oui, là et là. Ok, donc moins 2 sur les deux attaques, plus 2 parce que t'es forcément en total. Donc j'ai plus... Plus 2 sur les deux actions. Plus 3. Attaque, truc fétiche. Mmh. Ça passe ou pas? Ça passe. Et ça passe. Bon, la première attaque. Plus 4 dégâts, n'oublions pas. Bordel. Lui, hein. Oui. Tu m'autorises à faire des petites croix pour que je marque des trucs? Des croix pour que tu marques des trucs? Sur la map, je vais faire des petites croix de repérage, de distance. Bof. Bon, si tu veux. Merci. Le pauvre loulou qui... Il a rien fait de la partie, lui. Mais c'est bien, c'est le but. Oui. Silver, là, il hurle comme pas possible. Sachant qu'il vous a hurlé de faire attention
à elle, là, au moment où le truc est rentré dans sa bouche en disant que ça contrôlait les gens. On l'a vu rentrer dans Agathe ? Oui. Bah... Et vous voyez qu'elle a les yeux rouges, surtout. On va crever. Elle va nous faire chier jusqu'au bout, là, Agathe ! Alors, celui-là, bah, il reste sous son machin. Et Ludon, tu vas peut-être servir à quelque chose encore. Parce que bon, vous avez bien un loup qui fait rien, mais Ludon... Oh bah il arrive pas à grand-chose non plus. Alors, regarde ça. Fizzle. Fizzle va retenir son tour. Oh, je l'avais pas vu lui. En fait, il est bon. Bon, bah, je l'avais pas vu. Tant pis. Mais il était censé t'attaquer. Je vais retenir mon tour. Ouais. Mais non, mais j'ai fait un trait, on va continuer à. Elle va lancer un sort du coup. Je vais tenter de. Je vais tenter de l'interrompre. Athlétisme. On y croit. Je. Est-ce que je relance? Ouais. Je vais tenter. Je vais tenter, je vais relancer. On y croit. Putain de merde. Donc je. Bah tant pis. C'est pour Silver. Elle est, pas bon. Bloquée par... elle est pas bloquée par le mur de lumière, elle. Ah ouais, non, oui, pas con, pas con. Bien vu, non, bien vu, bien vu, bien vu. Non, et puis même si elle est en hauteur... Non, non, y a le mur qui va l'empêcher de tirer. Mais elle va essayer de le péter. Ce qui ne... ça combien je... Attends, je vais regarder la barrière. Ça combien de résistance ça? La barrière. Donc elle tire sur la barrière mais ne pète pas. Là, ça rebondit contre et elle se bouffe son propre sort. Du coup, là, c'est à moi d'agir. Techniquement, c'est ça vrai. A terminé son tour. Mm-hmm. Première action, je vais invoquer. Je vais invoquer ma bestiole. Et deuxième action, je vais. Tirer. Je vais tirer sur la bestiole qui est juste à côté de moi. Première action, invoquer un loup qui est ici, qui sera ici. Ok. Enfin, qui va au moins aider. Va aider ok, là. Ok, bah c'est bon, bah invoque et tire. Ok. Donc, invocation. Moins 2. À moins 2. Oh, raté. Et fait chier. Et la deuxième. Le petit tir. Pas de dégâts supplémentaires parce que. Voilà. Yes. Mais... Ça passe tout juste, du coup. 2d6. D'accord. School up. What's up? Est-ce que je suis autorisée à tirer Rose avec moi? Est-ce que ça compte comme une action? Genre, faut faire un jet de force ou je sais pas quoi. Tu veux l'embarquer avec toi? Ouais. Dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de retenir ton action jusqu'à son tour et tu pourras te déplacer librement avec. Non. Si je vais la tirer, c'est parce qu'il y a elle qui est possédée. Hein, ah oui. Dans ce cas-là, c'est censé être du force contre force. Après, elle peut se laisser faire, mais ça la déplacera de 4 mètres max. Super. Elle n'aura pas d'attaque d'opportunité.
Je réfléchis, hein, excusez-moi. Non, mais t'inquiète. Le déplacement, c'est obligé de se faire au début. Pas forcément, non. Donc si je fais d'abord mon action, j'ai pas de malus si je me déplace après. Bah non, techniquement non. Sauf si tu cours. Oui, non mais si je cours après. Non, si tu cours après, dans ce cas-là, faut que tu fasses le dé de course d'abord. Ouais. Et que le déplacement se fasse ensuite. Après le déplacement, tu peux le faire quand tu veux. Mais si tu dis qu'il y a une course à faire, faut que tu fasses le dé avant. Eh ben, ça me casse les reins. Voilà. Donc je vais courir, mais avant, je vais faire un sort de sommeil sur Agathe. Oh. Pardon, fallait que je mette un moins, non? Moins 2 techniquement, bah, puisque tu allais courir. C'est 8, pardon. Ok. Ah, par contre, tu vas courir vite. Alors, Agathe Power. Agathe. Rompiche. Nous rompichâmes. Pas de Z. Bon, je vais mettre ça. Ce qui, pour le coup, a pour effet de faire sortir la bébête. Mais enfin! Pourquoi il y a plus de lumière? Parce que je suis barré avec. Ah! D'accord. La loose te protège. Bah, à la base, je voulais pas faire ça, mais vu que je peux pas tirer ma sœur. Voilà. Non, ça vous donnera peut-être une chance de la buter, cette salope de bestiole là. Alors, Onyx. Là! Là! Tire là-dessus, non, mais il est au contact, Onyx, avec quelqu'un. Il peut pas tout faire. Hein. Ah, ça va être secoué. Et là, panique. Et puis... La bestiole. Oh, ça commence à m'enquiquer, ces conneries, là. Alors. Pourquoi Onyx a l'accent? Non, c'est... Rose. C'est Rose. Mais il a fait quoi, Onyx? Il a secoué le Pégas. Pardon. Alors, attends, bah du coup, j'étais perdu dans mes calculs. Bon. Déjà, ça va être de bons calculs, parce que Rosa a l'air d'être très contente. Bon, cela dit... elle a tiré un éclair sur la bestiole qui... Ah, ça, c'est... Ça, c'est ma sœur. Ça, c'est ma sœur. Et juste après, elle... Et toi? Ah bah, sinon, tu ne se réveilles pas avec ça. Techniquement, juste pour faire chier, le mur de lumière est pas censé faire de la lumière? Oui. Si c'est de la lumière, il est censé faire de la lumière. Même merci, si, Gaz. Même si c'est qu'un aspect. Voilà. Ouais. C'est beaucoup mieux. Silver va essayer de le casser. Bon, moi, je vais mourir. Au revoir. Mais non, elle le casse pas. Ah, mais c'est autour de la licorne qui s'est toujours pas... qui arrive toujours pas à se dessecouer. Et là, on va devoir attendre Wood. Ouais, et c'est de là qu'on rien. Ah oui, elle. Bah, attends. Non, mais sinon, elle peut rien faire. Hein. Moi, ça me va. Elles vont essayer d'utiliser leur magie, mais bon, grâce à leur fumble, elles n'y arrivent pas. Oh les putes. Bien fait. Donc, en attendant, le Goldou, je reviens. J'espère que ça va aller, Golden. Revenir, hein.
Si sa mère s'est blessée à la jambe... En tout cas, je vais couper le stream.